suite de Paris Tendance, ici dans le 18e arrondissement de Paris, précisément rue Ordener. C'est ici que m'a donné rendez-vous Pierre-Yves Chupin, le patron du guide Le B, qui a eu un coup de cœur cette semaine pour une toute nouvelle adresse. Elle est signée Julien Dubouet. Vous le connaissez peut-être si vous avez vu l'émission culinaire Top Chef. Ça, c'est pour le CV médiatique, mais pour le CV gastronomie, il y a beaucoup à dire. Nouvelle adresse de Julien Dubouet, ça s'appelle Boulhomme. Et c'est tout un concept, boulangerie à l'entrée, restaurant et à l'étage, un bar à cocktail. On va découvrir tout ça. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour Valérie. Ravi de vous retrouver ici. Je sens que vous nous avez dégoté l'adresse du moment et j'en suis particulièrement heureuse parce que ça met à l'honneur un garçon que j'aime beaucoup, Julien Dubouet, qui est chef de ce restaurant et d'un autre, on va en parler, qui est adorable et qui est surtout hyper doué. On est chez Boulhomme. C'est lui qui a ouvert à Faria, qui était l'ancêtre de la table d'hôte. Il a ouvert après un hosté avec les tapas et le restaurant à l'étage. Et là, il a ouvert Boulhomme. Vous savez ce que veut dire Boulhomme ? Non. Boulangerie où l'on peut manger. C'est pas un concept, c'est sa générosité. Il voulait aller jusqu'au bout de sa générosité. Et pour lui, la générosité, c'est ça. C'est le sud-ouest, c'est un grand buffet où on peut venir à nombreux, on peut venir à 2, 3, on peut venir à 10, à 12. Et on a le buffet des entrées, le buffet des poissons, le buffet des viandes. Et avec la boulangerie au départ, où tout est cuit dans le four à pain, mais pas que dans le four à pain. Et donc, tous les détails sont là pour que ce soit le banquet. Le banquet quand on était petit, moi, chez moi, dans le sud-ouest aussi, on aimait ça, les banquets du samedi, du dimanche. Il y avait toujours une occasion. Et là, à Paris, enfin, on retrouve le lieu pour fêter ça. Et il y a des petits bijoux de recettes. Et notamment le poisson qui est cuit en croûte. Pas en croûte de sel, pas en croûte, pas avec une farine, mais là, en croûte de pain. C'est-à-dire que le pain, vous le mangez aussi avec le poisson. Donc, vous avez votre grosse tranche de poisson qui est cuit dans ce pain. Et on vous sert un beurre nantais, un beurre blanc. Et vous mangez, vous grignotez, vous savourez ce poisson avec ce pain qui a cuit en même temps et ce beurre. C'est vraiment une merveille. Il y a tout ce qu'on rêve de partager. On a envie de partager. Alors, en dessert, qu'est-ce qu'on voit arriver à un moment? On voit arriver à la pièce montée. On se dit, il y a un mariage, il y a une communion, ou je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est ça, c'est ça. Donc, c'est vraiment retrouver cette communion, cette partage, ce plaisir de partager, d'être. En plus, c'est un endroit où on a envie d'aller avec les enfants, les petits-enfants, la grande-tante, le grand-père. Mais tout le monde a sa place, et c'est ça qui est bien, c'est la communion, le partage. Et c'est, en plus, c'est super bon, c'est super bon. Les tarifs. Et les tarifs, 39 € le soir, hein, le buffet. Donc, vous avez autant fruits de mer, poissons, jusqu'à ne plus pouvoir. Ne plus pouvoir manger plus. Le déjeuner, c'est 29 €. Donc, c'est vraiment bon à connaître. Accessible. Et en plus, à l'étage, on va boire des cocktails, comme un peu un tripot. Donc, on finit le repas à jouer, à siroter. Et c'est le vrai partage, la vraie générosité. C'est vraiment le cœur qui parle. Venez donc découvrir cette toute nouvelle adresse. Ça a ouvert il y a à peine 2 semaines. Et puis, sinon, c'est aussi l'occasion de souligner le travail fait du côté d'Opéra, cette fois-ci, à Nost, avec deux propositions là aussi au même endroit. On va commencer d'abord par le bar à tapas. Alors le bar à tapas, donc, là aussi c'est des produits du sud-ouest. On travaillait de façon plus petites assiettes, mais déjà avec deux petites assiettes, vous avez presque fait un repas. Notamment, moi, il y a un grand classique, donc une nuit à sud-ouest contemporain avec des nems de canard, au foie gras et canard. C'est épatant. Plein de petites assiettes, la mousse au chocolat, vous, hein, vous connaissez mon amour, la mousse au chocolat. Vraiment plein de petites assiettes à partager. Et à l'étage, c'est plus la table tranquille, la table assise où on est gastronomique. Gastronomique, c'est la table des grands jours, j'ai envie de dire. Qui se réserve aussi. Qui se réserve. Avec là un menu entre au déjeuner en trois services et le soir en 5 services. Donc on commence le repas avec la soupière. Et après, les grandes spécialités du sud-ouest, là aussi mises à l'honneur. C'est généreux, c'est bien servi, c'est toujours très bien cuisiné, souvent partagé. Donc c'est là aussi l'adresse à connaître lorsqu'on a envie d'un moment un peu plus intime, mais un moment gourmand. Merci beaucoup, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine.